Merci pour votre question. En fait, notre service d'accompagnement médico-social est un service hybride. Nous avons une expérience qui est très ancienne, on peut dire, qui remonte au début des années 2000, d'abord par un réseau de santé qui s'occupait de l'orientation des jeunes patients qui avaient des besoins en psychiatrie et qui s'est transformé autour de 2008-2010 en un service d'accompagnement médico-social, plus spécifiquement orienté vers les premiers épisodes psychotiques et une réponse qu'on appelle le case management, qui est une réponse globale à tous les besoins des patients, que ce soit des besoins médicaux, psychologiques, neuropsychologiques ou sociaux. Donc, nous avons constitué une équipe pluriprofessionnelle qui accompagne de manière intensive ces jeunes usagers. Oui, effectivement, merci docteur Gozlan. Fort de cette expérience, Prepsy a proposé au Fonds de lutte contre les addictions un programme qu'on a nommé le programme d'appui Prepsy Contact. C'est un programme national essentiellement numérique qui va aller faire des ponts organisationnels entre les consultations jeunes consommateurs et entre les centres médico-psychologiques. Ce programme de bridging s'implémente que grâce et avec le concours des professionnels de terrain. Donc, on co-construit les outils et on fait un permanent aller-retour de construction et d'élaboration des outils entre les professionnels de terrain et entre Prepsy et la chef de projet. Les défis rencontrés, ils sont de plusieurs ordres. D'abord, il y a des défis qui sont liés, je dirais, à la culture entre les différents professionnels que nous essayons de rapprocher. Le bridging consiste à créer des ponts entre ces professionnels, les professionnels des CMP, donc qui sont des professionnels du médical, des psychiatres, et les professionnels du médico-social, qui sont des addictologues, qui n'ont pas nécessairement une culture ni une formation commune. Il arrive parfois que les addictologues soient des médecins, mais il y a aussi beaucoup d'addictologues qui sont des psychologues ou des infirmiers, ce qui n'est pas le cas dans les CMP. Il y a aussi une différence de taille. Le nombre de CMP est important en France. Il est autour de 3 000, alors que le nombre de consultations jeunes consommateurs est 10 fois moindre. Il est au nombre de 300. Et donc, nous avons aussi des questions de géographie de la santé, en dehors de ces questions culturelles dont il faut tenir compte. Oui, effectivement. Donc, ça, c'est une partie des limites. Et le programme d'appui va mettre en place des dispositifs pour balayer ces limites et créer des avantages organisationnels qui vont permettre un déploiement territorial. Il faut savoir que le programme d'appui, nous le mettons en place en métropole, mais aussi sur le territoire ultramarin. Et on a les avantages fournis par tous les dispositifs numériques. Le e-learning, les MOOC que nous mettons en place, il y a toute une plateforme et un réseau de partenaires qui nous aident. On a travaillé sur les interactions médicamenteuses avec le réseau PIC. Nous avons mis en ligne nos fiches d'interactions médicamenteuses qui sont consultées. On est en train de construire un e-learning. Le e-learning, ça va permettre, bien que nous le faisons en France métropolitaine, de le déployer sur l'ensemble du territoire facilement. Tout le monde y aura accès. Peu importe les fuseaux horaires. La ligne téléphonique et les chats sur les réseaux sociaux, c'est des dispositifs extrêmement pratico-pratiques pour les usagers et pour les professionnels pour qu'ils s'emparent de l'outil, qu'ils puissent répondre, qu'ils puissent solliciter l'équipe projet tout le temps par ces chats qui ne sont pas sujets aux difficultés de planning de l'équipe projet. Et on réussit à s'adapter à la temporalité et au planning, au calendrier, aux agendas des professionnels de terrain et des prescripteurs.
Alors, l'expérience, elle peut être transposée d'abord parce que nous avons développé un genre de cahier des charges qui est lié d'ailleurs à votre première question concernant l'expérience accumulée. Deuxièmement, nous avons mis en place aussi une méthodologie en toute humilité pédagogique que nous pouvons maintenant déployer selon les besoins et les nécessités de nos collègues, à la fois sur le territoire métropolitain et ultramarin. Il y a deux choses. D'abord, le Covid a modifié les choses, la preuve, puisque aujourd'hui nous sommes en visio avec vous et non pas en présentiel. Donc, nous avons développé cette capacité de e-learning à partir de ces petits MOOC qui pourront être visualisés n'importe où, n'importe quand par les professionnels et aussi par les usagers selon leur destination. Et que, il faut aussi tenir compte des différents partenaires qui vont travailler avec nous, c'est-à-dire les médecins, les psychologues et les infirmiers des CMP, mais aussi les addictologues, les psychologues des consultations jeunes consommateurs, et aussi la troisième partie qui va créer ce bridging à trois, qui sont les médecins du territoire, les médecins libéraux, qui sont progressivement regroupés dans les CPTS, sur le territoire. Oui, tout à fait. Pour la transposition, on a les acteurs de terrain qui peuvent se former à l'outil. Donc, soit en nous appelant directement et on va pouvoir les aider pour la mise en place de l'outil. On peut se déplacer pour aller aider la mise en place de l'outil. Les communautés professionnelles territoriales de santé, les CPTS, qui sont en constitution, peuvent aussi se rapprocher de nous pour qu'on les aide pour que dans leur projet de soins, dans leur projet de santé, on mette en place des actions pour interagir et pour avoir une valeur ajoutée sur le double diagnostic, le premier épisode psychotique et les addictions. Notre capacité de déploiement, elle est ici, elle est dans notre disponibilité, notre réactivité et notre expérience en coordination et en formation que nous avons après Psy. Et c'est ça que nous souhaitons mettre au service des acteurs de terrain avec finalement une plateforme nationale identique qui peut être un pivot pour tous ces acteurs et la disponibilité, l'interaction, la disponibilité que permet le numérique avec le site internet, les réseaux sociaux, Instagram pour les jeunes, LinkedIn pour les professionnels. Et nous avons bien sûr, et il ne faut pas les oublier, les tutelles. Le projet est financé par la CNAM, mais aussi localement, nous avons les conseils départementaux à qui nous avons communiqué le déploiement du projet et les ARS avec des délégués de santé mentale dans toutes les ARS qui peuvent aider le déploiement du projet et être une écoute et qui sont attentifs aux besoins des acteurs du terrain. Merci Pierre. En fait, il ne faut pas oublier aussi un point très particulier auquel on est très attentif, pardon, c'est la place des pères aidants dans l'accompagnement de nos jeunes et dans la mise en relation avec les professionnels. Vous savez que les pères aidants sont maintenant formés, diplômés et insérés dans les dispositifs. Et nous avons la chance d'avoir ce qu'on appelle un père aidant numérique, qui est à la fois un pair aidant et aussi formé aux relations des médias sociaux et qui est en relation à la fois avec les patients qui peuvent, les usagers qui peuvent prendre contact avec lui via ce qu'ils peuvent voir dans les sites internet ou dans les médias sociaux, mais aussi interagir aux demandes en temps réel, presque hors fuseau horaire, des professionnels et accompagner avec la dimension case management les demandes qui sont parfois des demandes complexes, qui nécessitent des réponses multiples et des réponses aussi géographiques en fonction des besoins de tout le monde.